Placez une peau de banane sur votre front pour soulager un mal de tête ou une migraine. La banane est un fruit délicieux et extraordinairement sain. Elle contient des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps et vous protège de nombreux problèmes de santé lorsque vous en consommez régulièrement. La banane est si exceptionnelle qu'elle peut même vous aider à chasser un mal de tête voire une migraine. L'astuce de la peau de banane pour apaiser un mal de tête ou une migraine en moins de 30 minutes est une banane. Appliquez la moitié de sa peau sur votre front et l'autre moitié sur votre nuque, puis détendez-vous. Et c'est tout. Le résultat ne se fera pas attendre car le magnésium contenu dans la peau de banane va permettre d'atténuer la douleur. Vous n'aurez alors pas besoin de prendre un antalgique ou analgésique pour vous débarrasser des douleurs occasionnées par la migraine ou le mal de tête. Qu'est-ce qui cause le mal de tête et la migraine? Mieux vaut prévenir que guérir. Tel est le fondement de la médecine traditionnelle chinoise qui préserve depuis des millénaires la santé de ses adeptes et que nous gagnerions beaucoup à appliquer au quotidien, en particulier en ce qui concerne notre santé. Innombrables sont en effet les maux auxquels il est possible d'échapper en effectuant de simples changements dans notre mode de vie. Ce n'est qu'en acquérant la connaissance de ce qui entraîne les divers problèmes de santé que l'on gagne la capacité d'y remédier, mais surtout et mieux encore, de les éviter. Voici les deux causes, véritables et profondes des maux de tête et des migraines, point milieu la carence en vitamines et en minéraux point milieu un organisme hautement chargé en matières toxiques quant aux facteurs secondaires, en voici quelques-uns, point milieu une mauvaise alimentation. Parmi les aliments que l'on peut consommer, certains ont plus de risque de causer des maux de tête et des migraines que d'autres, comme par exemple la viande transformée, le gluten ou les fromages vieillis. point milieu l'anxiété. Pour éviter les maux de tête dus au stress, pratiquez régulièrement la méditation ou d'autres méthodes de relaxation et de gestion du stress. Point milieu les boissons alcoolisées. En plus de l'effet déshydratant que l'alcool a sur le corps, les boissons alcoolisées contiennent généralement des substances qui peuvent causer des maux de tête, tels les nitrates et les sulfates. Point milieu trop ou trop peu de sommeil. Que vous dormiez trop ou au contraire trop peu, un changement de vos habitudes de sommeil peut entraîner des maux de tête ou des migraines. Point milieu le café. Consommer de grandes quantités de café quotidiennement peut régulièrement provoquer des maux de tête et des migraines. Point milieu sauter un repas. Pour les plus mal en point parmi nous, le fait de sauter un repas, qui déclenche naturellement le processus d'évacuation des toxines en les mettant en circulation pour les éliminer, provoque des maux de tête. Comment dire adieu aux migraines et aux maux de tête la première mesure pour vous débarrasser pour toujours des migraines qui vous gâchent la vie et des maux de tête récurrents qui nuisent à votre bien-être et à votre épanouissement est radicale et consiste en une réforme complète de votre alimentation, ce qui vous guérira non seulement des maux de tête, mais aussi de toutes vos maladies. Car comme le souligne Charlotte Gesson, autorité de renommée mondiale en matière de guérison par la nutrition et autres de guérir avec la méthode Gesson, on ne peut pas garder une maladie et en soigner deux autres. Quand le corps guérit, il guérit de tout. L'alimentation qui a le pouvoir de vous guérir de vos migraines est issue de la méthode Gesson et a été conçue par le DR Max Gesson qui fut victime d'effroyables migraines jusqu'à ce qu'il change d'alimentation. Il s'agit d'un régime végétalien composé de fruits et de légumes issus de l'agriculture biologique, cru, cuit ou en jus frais. Ce régime exclut la grande majorité des aliments d'origine animale ainsi que l'alcool, le sucre et la farine raffinée. Le sel et tous les aliments transformés.